Thank you.
Thank you.
Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette prestation. Alors Jérémy, c'est toi qui vas répondre aux questions au nom du groupe. Est-ce que tu peux un peu te présenter et présenter les autres ? Oui, merci Alexandre de nous avoir accueillis ici. C'était vraiment un super moment d'enregistrer ces pièces. Donc nous, on est le quatuor Shake Brass, composé d'Anthony, Paul, Valentin et donc Jérémy, moi-même. On s'est créé en 2016. On se connaît depuis très longtemps en fait. On a joué ensemble dans plusieurs camps de musique ou dans des ensembles particuliers. Et on avait envie de faire un petit peu autre chose, de la musique un peu plus libre en fait. Donc un petit groupe, ça permet un peu d'explorer d'autres horizons, on dira. Et du coup, on a lancé ce quatuor dans l'idée de déjà participer à quelques concours, dont des championnats valaisans ou quelque chose comme ça qu'on a pu gagner en 2016, et ensuite on se produit à plusieurs concerts pour la suite. D'accord. Donc dès le départ, ça a été dans une optique aussi de répondre à un concours, tout simplement. Vous aviez envie de participer au concours, les championnats suisses, c'est ça ? Dans un premier temps, la partie valaisanne ? Oui, c'est ça. En fait, les ensembles dans lesquels on joue, c'est quand même très axé concours. Donc en fait, on a un peu cette culture-là de vouloir se mesurer aux autres, disons. Donc on a voulu d'abord tester le championnat valaisan, ouais. Et ensuite cette année on a eu l'opportunité de se présenter au championnat suisse également, ouais. Que vous avez gagné d'ailleurs aussi, ouais. Donc en quatuor, c'est ça, en quatuor. Est-ce que vous pouvez parler merci, ouais, je pense qu'on peut les applaudir. Est-ce que vous pouvez parler un peu de la spécificité de ce quatuor, donc des instruments? Je sais que tu parlais finalement d'une certaine équivalence avec les quatuors à cordes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta vision de la chose? Ouais, alors donc en fait l'idée c'est vraiment de reproduire en fait cette formation du quatuor à cordes, donc qui est composé de deux violons qui chez nous représentent les deux cornets. On a l'alto qui chez nous c'est l'alto mi b, donc Paul, et puis le violoncelle qui est représenté par le phonium. Et puis c'est un peu de reprendre cette forme de quatuor traditionnel. D'ailleurs on a aussi repris des pièces souvent qui étaient composées pour quatuor à cordes, donc des choses classiques, et puis qui ont été arrangées pour quatuor de cuivre. Et ouais, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais. Pourtant, vous avez une formation donc, qui est assez fixe, un quatuor, c'est une forme assez typique. Mais justement, vous expliquiez un petit peu avant l'enregistrement que vous avez aussi choisi cette formation pour être plus libre par rapport à d'autres formations dans lesquelles vous pouvez pratiquer. Jérémy, peut-être que tu veux répondre. Oui. Ouais, en fait, on joue dans des brass bands, en fait, ça s'appelle comme ça. C'est un ensemble de 35 musiciens, quelque chose comme ça. Et le répertoire, il est quand même très, très fixe. Où c'est, disons, beaucoup plus professionnel. Pour composer une pièce, il faut déjà c'est presque un métier, il faut quelques mois. Là, le répertoire, il est quand même beaucoup plus libre. Il n'y a que 4 voix à ranger, disons, donc on peut quand même explorer, disons, de la musique classique, un peu de jazz, un peu de musique aussi typique de nos fanfares, brass band. Donc ça nous laisse quand même un champ un peu plus important que ce qu'on pourrait faire dans une fanfare traditionnelle, disons. Et justement, vous faites de la musique à très haut niveau. Est-ce que vous avez envisagé d'en faire une carrière à un moment, ou est-ce que c'est quelque chose qui, bien que très important pour vous, reste un petit peu à côté? Alors, disons que pour nous, c'est plus un passe-temps qu'un vrai métier, en fait. On pourrait le faire, mais ce serait plus, disons, s'orienter vers une carrière d'orchestre ou quelque chose comme ça. Dans les brass bands ou la musique de cuivre, c'est beaucoup plus des amateurs, en fait. Alors après, il y a plein de métiers autour de cette musique. Par exemple, il y a des professeurs de musique où on a Anthony qui travaille, qui est réparateur d'instruments de cuivre. Donc on tourne autour de la musique, mais disons que c'est pas notre métier à proprement parler. Et justement, pour le moment, vous faites pas mal de championnats. Comment est-ce que vous envisagez la suite ? Alors oui, on aime bien faire des concours. Après, je pense que sur le long terme, ce qui est le plus intéressant, c'est quand même de faire des concerts. Donc le concours, ça te donne l'opportunité de jouer en fait devant pas mal de public et de pouvoir jouer de la musique assez difficile, assez intéressante. Mais les concerts, ça reste quand même ce qui est le plus intéressant, et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on recherche quand on est disponible avec nos plusieurs ensembles. On se produit volontiers pour des animations ou des concerts, quelque chose comme ça. D'ailleurs, lors de ces concours, vous avez parfois été ensemble, donc avec ce quatuor. Vous avez aussi parfois été en soliste. Mais vous avez aussi parfois joué dans d'autres formations presque concurrentes au sein de ces concours. Comment est-ce que vous voyez la chose ? Est-ce que c'est une forme d'émulation ? Est-ce que ça vous apporte quelque chose d'avoir cette forme de compétition au sein même justement de ces championnats ? Oui, tout à fait. Alors Anthony et moi, on joue dans le Brass Band 13 étoiles, et Paul et Valentin jouent au Valaisia Brass Band.
Donc on est deux brass bands de catégorie excellence et on concourt, en fait on est des concurrents sur le championnat suisse. Après on s'engueule jamais ou on s'est jamais battu à la fin d'un concours, donc ça va. C'est clair que le côté concours ça amène beaucoup de concurrence et je pense que ça motive beaucoup les gens à travailler et se dépasser en fait plus que s'il y avait que des concerts. Donc c'est aussi quelque chose de très positif je pense. Est-ce que justement aussi ce dépassement, cette préparation presque sportive, vous disiez avant l'enregistrement que la préparation finalement d'un sportif et de quelqu'un, d'un musicien lors d'un championnat de musique peuvent être presque équivalentes. Est-ce que, comment vous vivez ce côté presque sportif au sein du coup de ces championnats ou même au sein de votre pratique sportive ? Oui, alors c'est vrai que ça peut être comparé à ça dans le sens où on s'entraîne quand même plusieurs mois pour une seule journée. Et qu'il faut être très régulier dans l'apprentissage. Après, personnellement, j'aime pas trop le côté sportif parce que ça reste quand même un art, ça reste de la musique. Donc, il faut pas qu'on soit trop focalisé sur le résultat et le concours. En fait, c'est quand même bien de se rappeler qu'on fait de la musique pour le plaisir et pour faire plaisir aux gens. Et justement, d'où vous vient ce plaisir de la musique ? Qu'est-ce que vous préférez quand vous jouez, que ce soit au sein de ce quatuor ou dans d'autres formations ? Bah en fait, on fait de la musique depuis qu'on est tout petit. Je pense que tout le monde aime la musique, même ceux qui ne sont pas musiciens. En fait. Donc, pouvoir la pratiquer, bah, c'est vraiment super. En plus, on est quatre amis. On peut, comme je l'ai dit, pratiquer plusieurs styles différents. Donc vraiment, je pense qu'il y avait vraiment des moments où, aux répétitions, on a plaisir d'être là et de faire de la musique ensemble. C'est vraiment un passe-temps qui est très intéressant et enrichissant. Ouais. Et est-ce que vous vous épanouissez plus dans les concerts, dans le côté reprise d'œuvres qui ont été écrites par d'autres ou vous touchez un peu plus à la composition ? Qu'est-ce qui vous finalement plaît le plus ? Alors, pour le quatuor, on essaye d'arranger des pièces, nous, en fait. On joue aussi des autres pièces parce qu'aucun de nous quatre est compositeur, malheureusement. Ça dépend. C'est cool de faire une exclusivité entre guillemets, parce que c'est des reprises de choses qui existent déjà. Mais c'est sympa de pouvoir faire quelque chose qui, disons que c'est presque jamais fait avant. Après, pouvoir faire une pièce vraiment bien écrite pour un quatuor par un vrai compositeur, c'est super intéressant quand même. Donc il y a un peu les deux côtés, disons. Et quel serait votre rêve musical, la chose que vous aimeriez accomplir, qui vous ferait le plus plaisir à faire ? Que ça soit sur le registre du quatuor ou tout autre, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Je pense qu'on cherche tous à avoir un concert énorme avec, je sais pas, disons 20 000 personnes qui nous écoutent. Je pense que ce serait le. On en est quand même très 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 loin, mais ce serait vraiment le kiff, je pense, ouais, de faire quelque chose comme ça. On a pu déjà, dans certains concerts où on allait, il y avait un petit peu moins de 20 000 personnes. Je pense qu'il y avait quoi ? Entre 50 et 100 personnes. mais à la fin, quand les gens sont super contents de ce que tu as fait, ils t'applaudissent et tout, c'est vraiment une émotion incroyable. Ouais. Donc ça serait justement de partager au plus grand nombre ce que vous jouez. Ouais, je pense que c'est le but de ce qu'on fait. Ouais. Mmh. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle prestation. J'espère qu'elle aura plu à ceux qui nous regardent. Est-ce que vous voulez ajouter un mot pour la fin ? On espère aussi que cette prestation vous aura plu. En tout cas, c'était un vrai plaisir de jouer ici, de rencontrer votre groupe. Et puis, à bientôt peut-être, on espère. On espère vous retrouver sur une scène, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Exactement. Puis merci à vous. Merci beaucoup.